Hello, hello, c'est Kassamus et bienvenue dans cet épisode de Horizon D1. Donc vous voyez les statistiques, 11-0-0, donc c'est très bien pour l'instant, je m'en sors plutôt bien en Division 8. Et on va tout de suite enchaîner avec le premier match. Je vais faire donc quelques modifications au niveau de l'effectif. Vous voyez que je prends Hull City, donc c'est une équipe que peu de personnes certainement utilisent. Mais j'aime bien cette équipe, notamment grâce à Ben Arfa, hein, ce qui est un joueur que j'apprécie beaucoup dans le jeu et en vrai, je dois l'admettre. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, malheureusement qui n'a jamais su vraiment confirmer tout le potentiel qu'il a. Alors sur ce match, je vais vous donner une astuce sur corner, hein, on va voir, je vais me procurer une occasion qui va donner un corner. On va la voir là tout de suite, Aluko qui frappe, malheureusement c'est détourné, mais ça me donne un corner. Et là, juste avant de tirer le corner, j'appuie sur L1, LB, ça va faire bouger tous les joueurs, ça va faire des appels. Et je vais prendre le joueur, je vais sélectionner le joueur que je veux cibler, le faire l'avancer tout doucement, hein. Je le fais en quelque sorte marcher et en même temps je demande le ballon, ce qui fait qu'il va s'avancer et qu'il va être vraiment bien placé pour mettre la tête. Donc ça pourrait être un tutoriel, un second tutoriel corner, ça marche très bien. Voilà, donc joli but, hein. C'est pas évident à mettre, hein. C'était pas du tout évident. Il a réussi à faire une espèce de tête lobée. Et là voilà, là j'ai le match en main, déjà 8ème minute de jeu et je me procure une occasion qui va donner un penalty. Ben Arfa toujours, si on met pas le pied sur Ben Arfa, c'est dur de lui prendre le ballon, et quand on met le pied, bah des fois on a des mauvaises surprises, surtout dans la surface. Un penalty que je mets. C'est sûr que, bon, les penalties, c'est vrai qu'on en a beaucoup, hein, dans ce FIFA 15. Et là on peut voir la superbe passe, magnifique, pour Hernandez, qui, le gaucher du gauche, conclut l'occasion et transforme la magnifique passe en un superbe caviar. Voilà, une frappe sèche, lourde, qui ne laisse aucune chance. Donc voilà, autant vous dire que dans ce match-là, je me balade, je me trimballe, je vais faire un peu ce que je veux, à l'image de Ben Arfa. Ouais, ça c'est le geste. C'est le geste, et là, c'est la frappe. C'est magnifique, superbe, Ben Arfa. C'est vrai que ce geste-là, j'adore, hein. Vous voyez à quel point il peut être déstabilisant pour l'adversaire. Hein. 4-0. On s'approche de la fin de la première période. Donc, engager un match, une première période avec autant d'écart de but. Et c'est peut-être pas fini là. Sur cette occasion, bien amené, quel jeu de passe. Superbe. Et la petite passe pour Ben Arfa qui va conclure de la tête. Il va pas en mettre beaucoup de la tête, lui. C'est pas un grand joueur de tête. Mais là, tellement bien placé, tellement bien donné par Huddleston. Superbe. Et voilà, fin de la mi-temps. Donc on recommence la deuxième mi-temps. Alors une deuxième mi-temps qui va être moins riche en occasion, hein, je vous l'avoue. On voit que je me gourre complètement. Je perds le ballon. Et là, ça talonne dans tous les sens. Une petite balle lobée. Et c'est bien arrêté par le gardien, qui aura au moins eu l'occasion d'arrêter un ballon. Ouais. Jaluko, Diame, Ben Arfa. Diame, super joueur. C'est un des joueurs que j'adore dans cette équipe-là. Justement, je trouve que c'est vraiment une équipe très très équilibrée. Elle a deux attaquants qui sont Hernandez et Aluko, qui sont vraiment très forts. Diame, qui est un défenseur, un milieu défensif vraiment excellent. C'est un petit Yaya Touré, on va dire, hein. On peut voir que techniquement il s'en sort aussi bien. J'ai deux milieux défensifs, hein, Huddleston et Diame. Et Diame qui tente la frappe là. C'est dommage que ça rentre pas. Vraiment dommage. Et vous voyez que la deuxième mi-temps était largement moins efficace, hein, moins. Il y a eu moins d'action. Voilà, quand on mène 5-0, on a tendance à jouer plutôt tranquillement, hein, on n'est pas à fond non plus. Donc voilà, ça me fait ma 12ème victoire et c'est super. On va enchaîner tout de suite avec le second match. Donc voilà. Et est-ce que bon, c'était pas prévu, mais je pense que là, je vais garder l'équipe là tant que je gagne. C'est une équipe avec laquelle je me sens vachement bien. Ça me correspond parfaitement à tous les niveaux de jeu. Défensivement, c'est plutôt bon. C'est peut-être le point faible de cette équipe, mais ça reste tout de même assez solide.
Bah justement, je dis ça, c'est le mauvais dégagement, alors qu'il récupère, il tente la frappe, oh c'est magnifique! Oh là là, quel but! Quel but incroyable! Aïe 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 aïe, si je me prends des buts comme ça, est-ce que ça va être ma première défaite? Ah là là, j'ai jamais encaissé pour l'instant un but pareil, c'est magnifique! Peut-être la première défaite qui se profile. Aïe. Next time in Horizon D1. Ouais, je tiens peut-être ma première défaite là. Ah, l'adversaire joue pas mal, il joue bien. On sent le niveau. Il va falloir réagir. Il va pas me mettre le coup franc quand même. Allez, vas-y. Hernandez fait la passe à Luko qui rate. Il l'a. Oh, j'y arrive pas. Fabien Arfa, il peut pas louper. Du pied droit, ça peut pas. Ça peut pas passer. Oh, la mauvaise relance. Allez, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Hernandez tout seul.